Madame, Monsieur, bonjour. Bonjour à tous. Taxi Presse du jour, c'est avec Fioclou à Danglenou, le patron du journal L'Enquêteur, Acha Ibrahim du journal Temps Nouveau, Ambroise Pondio du journal des Guadianes et Joël Ega du journal Fraternité. Nous parlerons politique avec les discussions qui s'ouvrent dans deux jours maintenant, jeudi prochain. Et depuis quelques jours aussi, un débat sur la transition politique et sur la participation ou non des forces armées togolaises commence par s'installer. Nous décidons une nouvelle fois d'aborder clairement le sujet ce matin. 93.1 Taxi FM, premier sur l'actualité. Et nous démarrons le magazine avec la une des journaux. Juste vous donner une des journaux qui sont dans les kiosques ce mardi. Le confrère d'abord Liberté. Liberté qui évoque la répression des manifestations depuis août 2017. Plus de 100 morts, des corps enterrés dans des fosses communes. C'est un rapport dit rapport explosif du Rejad et du RAIDHS. Les deux ODDH relèvent des crimes de torture, des crimes de génocide. Vous lirez cela sur 6 pages, presque, page 2, 3, 4, 6, 7 et 8. L'hôtellerie togolaise dans le noir, Palm Beach ferme ses portes en attendant les autres, écrit le journal. Le confrère qui parle également de l'éducation avec le début ce matin d'une grève de 4 jours. Les enseignants dénoncent la volonté du pouvoir de faire perdurer la crise. L'article est à lire dans le quotidien Liberté dans les kiosques ce matin. Le billet hebdomadaire L'éveil de la nation revient sur les discussions politiques. Seul gage de réussite du dialogue inter-togolais, inclusif sur la forme, concession et consensus pour leitmotiv et réforme pour finalité. Vous lirez l'article dans le journal. Avec cette affaire aussi d'implication de la communauté internationale pour une sortie de crise au Togo, des propos pas très diplomatiques de Mamadou Bouhari. Vous lirez l'article dans le journal. Et par rapport au front social, la solution se trouve plutôt dans la concertation que dans les grèves, écrit le journal, qui nous renseigne que le ministère des Finances a été sollicité pour éclairer les agents de l'État. Vous lirez l'article dans le journal. Le secteur de l'automobile, la BAD, accompagne la politique régionale de l'industrie automobile. Les détails sont à découvrir dans le billet hebdomadaire « L'éveil de la nation ». L'autre billet hebdomadaire, c'est l'alternative. L'alternative qui parle de Mamadou Bouhari. Bouhari trace une ligne rouge à Fort, panique à Lomé 2, écrit notre confrère, qui renseigne également que Togo Debout appelle à un grand meeting aujourd'hui. C'est dans l'après-midi au niveau de Akassimé. L'article est découvert dans le journal. La chronique politique du journal L'Alternative, la montée sans éclat d'un prince, la chute d'une dynastie avec fracas. Vous lirez l'article dans le journal L'Alternative ce matin, le confrère qui publie également une tribune. En fait, c'est le point de vue sur la crise sociopolitique du Togo, ce que veulent les Togolais, la tribune de M. Podard, Ekoué Pierre, il y a économiste et consultant, ancien directeur adjoint à la BCAO, ancien chef de mission au FMI également, un Togolais qui réside aux États-Unis. Vous lirez sa tribune dans le journal Alternative ce matin. Il y a aussi le billet hebdomadaire L'Union pour la Patrie, le billet hebdomadaire L'Union pour la Patrie, qui évoque le nouveau dialogue politique inter-togolais. La récidive est à craindre, écrit notre confrère qui publie ce matin une vieille photo, enfin pas si vieille que ça, une vue des participants au dialogue inter-togolais de Togo Telecom 2. Voilà. Un glissement annuel, et ça c'est l'économie avec le commerce, une réduction du déficit commercial du Togo vers la fin 2017. Vous lirez l'article dans le journal. Et puis rencontre à Lomé des membres de la conférence interafricaine de la prévoyance sociale. Échange d'expériences sur la gestion des comptes auxiliaires. Vous lirez l'article dans le journal L'Union pour la Patrie. Il y a aussi le journal La Vision d'Afrique. Vision d'Afrique qui parle du dialogue politique togolais. Le prix à payer, s'exclame notre confrère. L'opposition parla d'une même voix. L'article est dans le journal.
crise économique, alerte rouge sur les grandes entreprises de travaux publics. C'est à découvrir dans le journal. Et puis, les grands chantiers transformationnels du campus de Lomé. Professeur Kokodoko poursuit sa mue à lire dans le journal Vision d'Afrique. Il y a aussi l'hebdomadaire, le Medium, qui est dans les kiosques ce matin. Le confrère parle de cacahuètes politiques. L'ANC dans une logique de faire capoter le dialogue afin de justifier sa participation aux futures élections. Vous lirez l'article dans le journal. Économie, détérioration du solde commercial au troisième trimestre 2017, à découvrir dans le journal. Et par rapport à la politique avec le dialogue, le confrère nous propose aussi un panorama des réactions de quelques leaders de partis. Vous lirez l'article dans le journal. Puis aussi un mot sur la santé avec la couverture sanitaire universelle, une préoccupation du gouvernement, renseigne notre confrère. Vous lirez l'article dans le journal. Il y a la Saint-Valentin. Saint-Valentin, c'est demain le 14 février. Donnez un sacré coup de pouce à votre couple. C'est ce que propose le confrère Le Medium ce matin. Vous lirez l'article dans le journal. Voilà, je pense que c'est les journaux qui sont dans les kiosques ce matin. Il y a aussi l'Indépendant Express, le confrère l'Indépendant Express, Lomé, Accra, Abidjan, Conakry, Abuja, Paris, Togo, les coulisses d'un dialogue mort-né, c'est ce que le confrère nous propose à lire sur deux pages, page 4 et page 5. La crise s'invite au Capharnaüm, armée au dialogue politique, quelle idée farfelue, s'exclame L'Indépendant Express ce matin. Le journal qui parle également de la réussite du dialogue politique, Togo Debout, propose trois formules. C'est ce que vous lirez dans le journal L'Indépendant Express. Alors, dans le kiosque ce mardi, outre l'Indépendant Express, vous avez le quotidien Liberté, vous avez l'hebdomadaire Vision d'Afrique, l'hebdomadaire Le Medium, il y a le bi-hebdomadaire L'Union pour la Patrie, le bi-hebdomadaire L'Alternative, le bi-hebdomadaire L'Éveil de la Nation. Ça, ce sont les journaux qui sont dans les kiosques ce mardi. Sur Taxi FM, l'info roule. Fioclou à Danglenou. Bonjour Fioclou. Bonjour Saint-Pierre-Cator. Bonjour au passager de Taxi FM. Merci d'être avec nous ce matin. Ça fait toujours plaisir de vous voir. L'échange avec vous, c'est toujours sympathique. Merci d'être là. Bonjour à Tcha Ibrahim. Bonjour Eric, bonjour aux passagers de notre taxi, oui. Et bonjour à tous les confrères. Alors on est à bord de notre sympathique taxi. Bonjour Ambroise, merci de nous avoir rejoints. Oui Eric, bonjour, bonjour tout le monde. On sera aussi rejoint par Joël Egan. L'actualité, c'est la politique. Les discussions s'ouvrent au Togo dans deux jours. Et c'est le sujet principal depuis plusieurs jours, en tout cas un peu plus de deux semaines, que cette information a été annoncée par les émissaires des médiateurs, le Ghanéen et le Guinéen. On va en parler tout à l'heure, mais peut-être on va, avant de revenir sur ce sujet, je voudrais avoir aussi votre avis sur un autre sujet qui intéresse aussi l'opinion, c'est-à-dire la bonne santé des hôtels au Togo. Il y a quelques jours, en début du mois, le confrère L'Alternative a attiré l'attention sur la mauvaise santé, beaucoup plus des hôtels. Les hôtels au Togo qui ne se portent pas bien. On a cité 2 février. Vous savez que Radisson Blue a été parti. Santa Maria qui ne se porterait pas aussi bien. Santa Maria et Daoba. Bon, plusieurs hôtels ont été cités par le confrère. Et depuis quelques jours, Palm Beach a été fermé. Ce matin, le confrère Liberté évoque le sujet. L'hôtellerie togolaise dans le noir. Palm Beach ferme ses portes en attendant les autres. Est-ce que ce n'est pas un problème, Fioclou? Oui, la crise que le Togo est en train de connaître pose problème. Et on peut dire que l'un de ces problèmes et la crise hôtelière. Parce que quand le pays n'est pas calme, les touristes hésitent à venir. Et c'est le cas que nous vivons aujourd'hui. Nous avons des Ivoiriens, des Ghanéens, des Nigériens, des Burkinabés qui viennent au Togo
pour acheter les véhicules et divers autres marchandises. Mais malheureusement, avec cette crise, le commerce ne marche pas. Ce qui veut dire que le tourisme aussi est atteint. Si aujourd'hui l'hôtel Palm Beach a fermé, cela veut dire que ça ne va du tout pas. Ambrose Mondio. Oui, je crois que c'est la résultante de la crise. Hein. Vous savez, les sommets avaient été annoncés. Vous savez que tout ce que les hôtels tirent, c'est le tourisme, c'est les sommets, c'est les rencontres, les grandes rencontres internationales qui profitent aux hôtels. D'ailleurs, ils en ont été avertis par rapport à un certain nombre de sommets qui devaient se tenir, notamment la francophonie, Israël, qui finalement ont été annulés pour des raisons de crise politique. Tout cela est évident. Donc, sans une certaine stabilité, sans une certaine accalmie dans le pays, le tourisme aura forcément du mal à s'installer, à reprendre dans notre pays. Vous savez, l'argent a horreur du bruit et surtout les investisseurs ne viendront pas investir parce que je risque d'investir dans le vide. J'investis, si demain il y a des rues de bottes, je peux craindre que mes investissements partent en fumée. Oui. Donc c'est la raison qui amène les gens à éviter notre pays. Et au niveau des hôtels, les gens ont des employés, mais tant que les ressources ne rentrent pas, avec quoi on va payer les employés? Donc autant être rigide, donc restreindre certaines choses, c'est-à-dire compresser certaines personnes. Si c'est 10, vous avez, vous limitez à 3, donc les 7 se retrouvent au carreau. Donc si c'est 100, donc imaginez le ratio et ce que ça pouvait advenir. C'est ce qui arrive et les hôtels sont obligés de fermer. L'image que le Togo envoie à l'extérieur n'est pas du tout bonne pour préserver le climat de sérénité, de confiance qui pouvait ramener les gens ici chez nous. Donc il appartient, la conséquence est naturellement plus endossée par le gouvernement. Parce que l'opposition qui gouverne le pays. L'opposition, je ne crois pas que l'opposition, surtout à qui on veut élaguer tous les moyens financiers possibles, puisse avoir les moyens pour construire des hôtels. C'est des privés certainement, mais plus ceux-là qui sont, il y en a aussi qui sont proches du pouvoir, qui ont les hôtels. Donc quand même parle des blanchiments d'argent dans certaines constructions d'hôtels, ça je n'en sais pas trop, mais c'est ça aussi ça se dit. Mais l'essentiel c'est que les Togolais puissent investir dans leur propre pays et qu'aujourd'hui on est au summum d'une crise qui affecte durablement et on ne sait jamais, beaucoup vont fermer comme hôtel. Il appartient au gouvernement de mesurer le degré de la crise, de mesurer la portée et l'impact financier ou économique que cette crise assure le devenir du pays et des infrastructures hôtelières afin de trouver une solution rapide au cours de ce dialogue au lieu de jouer encore au dilatoire ou au faux fuyant pour faire perdurer la crise. D'accord. Acha Ibrahim, est-ce que ce n'est pas le tourisme togolais? On sait qu'il ne se porte pas déjà bien. Hein. Est-ce que ce n'est pas le tourisme togolais qui vient de prendre encore un coup là? Quand les banques vont, non pas les banques, les hôtels vont commencer par fermer les portes les uns après les autres. Oui, le tourisme togolais va prendre un coup, en ce sens que s'il y a fermeture des hôtels, vous convenez avec moi que lorsque les touristes vont venir et vont vouloir s'héberger, il y aura des difficultés. Il y a même depuis l'Occident, les touristes, je veux parler des Occidentaux qui viennent en Afrique pour découvrir nos cultures, nos coutumes et tout ce que nous regardions comme valeur touristique. Lorsqu'ils viennent, ils font des réservations avant d'arriver. Donc, bien ils sûr. Apprennent que les hôtels sont en difficulté et que même le cadre n'est pas assez attrayant pour, en tout cas, susciter leur enthousiasme à venir dans ce pays. Et il va de soi que ces touristes, potentiels touristes-là, changent de direction. Bon, au-delà de tout ce que mes confrères ont évoqué par rapport à la situation de crise dans le pays, qui n'incite pas, qui n'encourage pas à l'activité touristique à prendre son envol, il y a aussi le contexte sécuritaire de la sous-région ouest-africaine qui crée aussi de ces problèmes. Vous avez peut-être le cas du Mali qui n'est plus une destination à proprement parler pour les touristes. Et avant aussi, il y avait des touristes qui quittaient depuis le Maroc. Ils viennent vers la Mauritanie, ils circulent, en tout cas, la sous-région. La sous-région
des fois par voie terrestre, pour mieux découvrir l'Afrique, mais ça n'existe plus parce que par endroit il y a des bandes armées, il y a de ces groupes criminels qui sévissent dans la région. Donc ça fait que ça crée souvent des difficultés au niveau de ces, en tout cas, des randonnées touristiques, et vraiment, et c'est un sérieux problème. Et, outre cela aussi, c'est peut-être le management au niveau des États. Et vous savez que nous avons, c'est tout récemment que nous avons eu un ministre à proprement parler qui s'occupe du portefeuille du tourisme. Et certains pays qui ont misé en tout cas leur économie sur le tourisme font ce que nous appelons la prospective. Donc c'est des gens qui sortent souvent, vont chercher les potentiels touristes, ou bien les pays où on vend l'image du pays. Et on fait aussi des expositions et beaucoup de choses. Et le Togo participe à plusieurs salons quand même en France, et qu'on sort chaque année. Effectivement, le Togo participe. La destination Togo. Bien sûr, le Togo participe à ces forums, mais le plus souvent, qu'est-ce que vous voyez, quand on prend le stand du Togo, on ne trouve pas proprement parler ce qui va attirer les touristes. Je me rappelle, il y a eu une rencontre aussi de l'agriculture Milan. Oui. Vous avez vu ce qu'on a envoyé là-bas. Est-ce que ce sont des gens qui étaient vraiment à même de susciter vraiment l'admiration et de susciter un intérêt particulier à venir au Togo? Voilà, aussi, il faut faire le casting en amont quand on veut vraiment participer à ces forums pour que au finish, qu'il y ait quand même de la valeur ajoutée à ce que nous voulons pour notre pays. Alors, est-ce qu'on réussira, parce que depuis plusieurs années, ceux qui ont en charge le secteur du tourisme ont déployé des énergies, des réunions sur réunions pour pouvoir rendre attrayant le secteur touristique togolais. Aujourd'hui, par rapport aux hôtels, on comprend que c'est la situation politique qui a compliqué la tâche finalement à ces promoteurs d'hôtels. Oui, mais vous savez, j'ai dit tout à l'heure que le problème qui se pose aujourd'hui est l'une des conséquences de la crise que couvre aujourd'hui, ça fait 6 mois. Oui. En dehors des touristes, pour que les hôtels battent leur plein, il faut des sommets internationaux, des rencontres internationales qui font venir des gens, comme il y a de cela une dizaine ou bien une vingtaine d'années, où Lomé abritait au moins chaque semaine 3 ou 4 rencontres internationales. Ce qui veut dire que la crise est aujourd'hui le facteur principal de la décession du tourisme et des rencontres internationales. Donc la balle est dans le camp du gouvernement. On peut dire merci, aujourd'hui nous avons un ministère plein du tourisme qui est conduit par l'ancien DG, M. Iou Atigbe. Donc j'ai appris qu'ils sont en train de faire une restructuration du secteur pour un bon rendement. Donc on va attendre ce que ça va donner dans les jours à venir. Alors, si les hôtels aujourd'hui ferment les portes, c'est parce que peut-être, on le sait, ça veut dire qu'il n'y a pas de clients. Est-ce qu'on ne peut pas faire une politique où les Togolais, on va les habituer à aller à l'hôtel, pas forcément pour aller dormir, mais bon, ça permet. Ah oui, mais ailleurs, il y a des politiques du genre. En Afrique du Nord, il y a des politiques où les familles, un week-end, les gens vident leur domicile, ils viennent à l'hôtel, on fait la promotion. Est-ce que ça ne peut pas être aussi une piste pour que, eh bien, l'affluence dans les hôtels et que les promoteurs ne soient pas amenés aujourd'hui à fermer les portes ou à réduire drastiquement le nombre des employés ou voilà, à licencier les gens, Ambroise? Ça fait rire. Ça ne se passe pas bien sur le plan politique, rien ne peut plus se comporter non, ou se porter bien. Ce qui fait que ça fait rire, c'est que déjà il y a des fréquentations dans les hôtels au plan sentimental et sexuel du terme, pour ne pas le cacher. Mais ce que tu dis et qui peut devenir pertinent, c'est le fait effectivement de travailler sur la conscience des gens, sur ce que peut être ce point d'attraction pour les nationaux en termes de villégiature. Je crois que les gens le faisaient, et surtout, je me rappelle, on était dans les années 2010, 2009-10, même les journalistes de toute obédience, on allait à Thévier ou à Palimé pour faire des randonnées.
de villégiature entre confrères. Au moins, j'ai été au moins deux fois. De toutes les obédiences, hein, TVT, Radio Lomé, Radio LCF, tout ça là. Une vingtaine de journalistes de toute obédience. Parce que le métier est un métier stressant, donc on s'est décidé de sortir un peu du. Donc ça fait l'affaire à ces hôtels-là. Je ne veux pas citer de nom, mais je sais que tout est lié, Palimé, ça fait l'affaire, même à Cara. Donc si cette politique-là peut amener les gens, surtout ceux qui sont un peu nantis, à passer des week-ends, sauf que si les hôtels sont souvent au bord de la mer, c'est plus attrayant. Les hôtels qui sont à Bepozo, Baguida et autres, les Coco Beach, tout ça là, ça attire. Mais sauf que ceux qui sont. Quelqu'un qui viendra ici, l'hôtel qui est au fin pavé ici, lui, il viendra foutre quoi. Hôtel Concorde. Oui, non, faut pas citer le nom. À moi, c'est un très bon hôtel, sauf que c'est en pleine ville. Moi, je me retrouve déjà dans la ville. Je vais aller là-bas, peut-être, il y a une piscine là-bas. J'amène les enfants, peut-être, et la famille, on y va là-bas. Si la piscine coûte 1500 par personne, si on fait de 10h à 16h, déjà si on est 6, mais ça me touche rien, ça me fait pas trop de ce n'est pas c'est pas grand chose pour l'hôtel. Mais c'est quand même, s'il y a 10 familles qui arrivent, il y a quelque chose. On prend une chambre qui coûte 15 000 toute la journée ou deux, donc ça peut effectivement faire bouger les lignes en termes touristiques au plan interne. Maintenant, il faut créer, moi ce qui est important pour moi au-delà de cette proposition, il faut créer. Parce que les charges sont énormes pour les hôtels. Des clients ou pas, il y a des charges. Ça dit l'électricité, les charges d'électricité, l'eau. Avec toutes les chambres sont équipées de climatiseurs. Et vous savez combien la consommation du climatiseur pèse sur la facture d'électricité en fin du mois. Et gérer une piscine, ce n'est pas du chocolat. Et en plus, le personnel qui est là, les draps qu'il faut laver, des personnels qu'il faut, tout ça là, c'est pesant. C'est vrai que certains disent souvent que les hôtels qui tournent en termes de bénéfices, en grand bénéfice, on dit souvent que, sauf que dans 10 ans, ils peuvent l'amortir parce qu'il y a plus d'affluence, il y a de l'affluence. Moi, j'ai construit, j'ai investi et j'ai acheté du drap et du lit qui ne coûte que peut-être 150 000, 100 000, peut-être sur 100 chambres. Dans 10 ans, si je loue, je prends la chambre à 25 000, 30 000 ou 15 000, dans 10 ans, je peux amortir. Donc, c'est un investissement qu'on ne perd pas s'il y a de l'affluence. Oui. Mais au-delà de ça, il peut y avoir une perte. On ne peut même pas l'amortir. Au mieux, on va se chercher pour pouvoir payer les gens. Donc, très bien. C'est ça qui fait qu'il faut créer un climat. Il va falloir réfléchir pour que justement les touristes viennent. Voire des fois des touristes extérieurs, il faut qu'en interne, qu'on puisse remobiliser les troupes pour des touristes internes. Oui, c'est vrai, mais je pense que pour en arriver là, surtout pour mobiliser l'intérêt des nationaux à aller dans les hôtels, c'est de créer des conditions pour qu'il y ait un pouvoir d'achat assez conséquent dans bien le sûr, pays. Bien sûr. Quand il n'y a pas ça, vous comprenez que s'offrir une nuitée à l'hôtel dans une famille, ça fait déjà peut-être le budget qu'il faut pour la popote pour deux ou bien trois semaines. Donc vous comprenez que les gens vont vite faire l'équilibre entre les deux et le choix est clair, quoi. Donc en dehors de ça aussi, il faudrait, moi je pense que pour mobiliser encore plus de touristes vers le Togo, il va falloir aussi qu'il y ait l'implication de la diaspora, parce que la diaspora a un rôle très important à jouer. Il faut vendre l'image du pays, il faut de temps en temps convaincre les amis, créer même des événements sur le Togo, parce que dans certains pays vous allez entendre parler de camps, en tout cas de la diaspora pour le développement. Ils font venir leurs amis, des sociétés un peu partout, et ce sont les hôtels qui font de bonnes affaires. En dehors de ça aussi, il y a le plus souvent, surtout la diaspora africaine ces derniers temps, les
très, 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 très politisé. Et vous comprenez que sur tous les fronts, c'est comment ça faire dit, pour... En d'autres termes, qu'elle est aussi préoccupée par la situation en interne. Bien évidemment. Quand je dis politisé, ce n'est pas dans le sens, disons, péjoratif, mais dans le sens vraiment négatif du terme. Mais c'est pour dire qu'elle est préoccupée par la situation, mais au même moment... n'arrive pas à faire la démarcation entre l'intérêt du pays et la lutte contre peut-être certaines personnalités du pays. Donc on confond tout et finalement c'est tout le pays qui prend le coup. Donc il va falloir faire la part des choses, parce que si je me réfère un peu au Sénégalais, vous savez que le Sénégalais partout dans le monde est un potentiel ambassadeur du Sénégal. Partout où ils ne font que vendre l'image, s'ils trouvent des opportunités, ils envoient ça vers le Sénégal parce qu'ils savent qu'après tout, ce sont leurs parents qui vont en tirer profit. Oui, donc, tout ça là aussi, pas, c'est, ça dépend de la formation. Ils ne disent pas que Macky Sall ne leur plaît pas, ils ne disent pas qu'ils ont des problèmes avec Macky Sall. Quels citoyens disposons-nous aujourd'hui? Question d'éducation. Voilà. Donc, c'est pourquoi comment a-t-on formé les gens? Nous avons quelle conscience a-t-on façonné au Togolais? Bon, habituellement, vous savez que bon, ce n'est pas pour en tout cas avoir peut-être à sous-estimer ce qu'ils n'ont pas fait les universités. Mais je veux dire qu'à partir de l'université, déjà, le rapport que nous avons eu le plus souvent avec l'administration publique, et en tout cas l'autorité de l'État, c'était des rapports assez durs, conflictuels, parce qu'à chaque fois, c'est des gaz lacrymogènes, c'est des courses-poursuites, c'est beaucoup de choses. Donc, ça fait que quand quelqu'un arrive à sortir de ce cadre... On est aigri, voilà. Et donc, il faudrait revoir toutes ces façons de faire, et amener les étudiants togolais, surtout actuellement, à être des citoyens qui ont... de la vision pour leur pays, qui ont des ambitions nobles pour le développement de notre pays, pour la construction de notre pays. Donc ça fera que partout où ces, en tout cas, Togolais se retrouveront, ils feront tout pour chercher des opportunités pour ramener au Togo. Parce qu'après tout, on dit la construction du pays incombe à tous les citoyens. Donc en dehors de ça aussi, nous parlons souvent de l'idéal togolais. Donc voilà, il faut repenser l'idéal togolais. Il faut au niveau de la direction du civisme, en tout cas au niveau du ministère de la Communication, il faut remobiliser les Togolais. Il faut faire un effort pour que les Togolais se sentent appartenir à cette nation. Il faut aussi, c'est le souhait, nous les journalistes, nous le faisons assez souvent, et nous appelons tous les Togolais à œuvrer dans le sens positif, dans le sens de construction de notre pays et surtout de positionnement de notre pays sur le plan développement. Très bien, merci beaucoup Acha. Oui, la mort lente des hôtels, c'est Lomé surtout qui prend le coup. Par contre, à l'intérieur du pays, comme à Palimé, les hôtels sont toujours remplis. Il y a, oui, à Palimé les week-ends. Les week-ends et même les formations de certaines structures de Lomé, les formations sont déplacées à Palimé. Mm. Bon, j'y étais l'autre semaine et j'ai vu l'affluence. Et en dehors de l'hôtellerie, je peux dire que le problème demeure le même. Il y a les réservations, il faut les faire une ou deux semaines avant, les affluences, certes. Et là, il y a le tourisme qui est là et en plus, les visites amicales et de groupe, surtout qu'il y a des tournois de football qui sont là tous les week-ends, les amis en groupe qui y vont, et les problèmes de réservation, ça pose problème. Ce qui veut dire que s'il y a des problèmes aujourd'hui, Sokolé et Palimé peut-être être pris comme une exception. Très bien. Bah, écoutez, en tout cas, on va souhaiter quand même à ces promoteurs d'hôtels beaucoup de courage et, n'est-ce pas, d'inventer, de réfléchir pour attirer, pas que les étrangers, mais les nationaux également. Messieurs, merci beaucoup. On va maintenant aborder la question politique dont tout dépend finalement. On est d'accord? Oui. Si politiquement ça ne se passe pas bien, on voit que sur d'autres plans ça ne se porte pas bien. Et depuis le début de la crise politique, les émissaires du gouvernement qui a plusieurs fois le Conseil des chefs de l'État qui ont animé des conférences de presse ont quand même évoqué l'incidence dramatique des manifestations de l'opposition sur l'économie du Togo. La résultante et les conséquences sont là aujourd'hui. Alors, le dialogue s'ouvre jeudi prochain, c'est-à-dire dans deux jours. Selon plusieurs informations, on le disait depuis le début de la semaine, les choses sérieuses démarreront lundi prochain. Jeudi, sur les préliminaires. Mm-hmm. Alors,
Il y a cette sortie du président nigérien qui fait débat depuis quelques jours déjà, Muhammadu Buhari, qui dit qu'ils ne toléreront plus, en tout cas au niveau de la CDAO, la transition qui ne sont pas pacifiques. Et ce message, en interne, chacun l'interprète à sa façon. En tout cas, c'est considéré comme une pression, beaucoup plus sur le pouvoir public et le gouvernement de Faure Gnassingbé. Il dit précisément, les transitions pacifiques ne sont plus négociables. Comment est-ce qu'il faut comprendre ça, Fiokolo Adangbenou, cette position, cette posture aujourd'hui du président nigérien? A-t-il pris fait et cause pour l'opposition? Non, moi je ne peux pas dire que le président nigérien Buhari a pris fait et cause pour l'opposition. Nous avons dans la sous-région et surtout dans la CDAO une quinzaine de pays où des élections ont eu lieu tous les 5 ans ou bien tous les 4 ans. Oui. Et pour ne pas tromper les uns et les autres, le Togo est le seul pays où il n'y a pas eu cette alternance. Et c'est pourquoi le chef de l'État nigérien a parlé ainsi. Mais à mon humble avis, il y a les canaux par lesquels il pouvait transmettre ce message. Quand moi j'ai lu sur les réseaux sociaux que l'AFP a dit que le président nigérien a dit tel, je me suis dit ce n'est pas diplomatique. Et surtout, c'est le jour de la présentation des lettres de créance. Le Togo et le Nigeria ont une histoire commune. C'est les deux pays qui ont contribué à la naissance de la CDAO en 1975. Oui. Ce qui veut dire que ce lien est fort. S'il parle ainsi aujourd'hui, c'est qu'il y a problème. Mais en tant que chef d'État, il est seul à savoir la raison. Oui, parce qu'on se pose beaucoup de questions aussi. Aujourd'hui, Muhammadu Buhari prend la parole publiquement devant l'ambassadeur du Togo accrédité au Nigeria. Il prend la parole et parle. Saouda dit que des canons ont été peut-être utilisés et que le message n'est pas passé. Et aujourd'hui, on a voulu le dire ouvertement. Ambroise, comment est-ce que vous analysez et interprétez finalement cette nouvelle posture du Nigeria? Non, moi je peux l'interpréter comme étant une sortie d'ailleurs menaçante de la part du Nigeria face à un pays rebelle, un pays qui ne veut pas... Non, comment un pays rebelle? Oui, je dis rebelle. Togo n'est pas un pays rebelle. Oui, de par ses dirigeants, il y a une certaine rébellion qui se lie dans les comportements de temps. Rebellion par rapport à quoi? La résistance aux questions d'alternance démocratique en Afrique de l'Ouest. C'est ce que je voulais dire. Le Togo est le seul pays qui est resté dans la sous-région et qui ne veut pas ouvrir son champ à l'alternance politique. Aucun pays en Afrique de l'Ouest ne vit plus ça. Togo, à travers son président et en même temps président de la CDAO qui a censuré la Guinée-Bissau la dernière fois, vous voyez qu'il y a un deux poids, deux mesures. Ça s'est passé avec la Gambie, personne n'a rien dit. Et nous, on est toujours, les Togolais sont coitrés sous le joug de la conduite d'un certain nombre de dirigeants qui sont là depuis 50 ans. Ce n'est pas normal. Donc, le Nigeria, d'abord, le pays qui est le premier exportateur du pétrole en Afrique, donc une puissance économique, la première en dehors de ce chevauchement qui doit y avoir entre le Nigeria et l'Afrique du Sud, le Nigeria, c'est lui qui a le poids en Afrique. Et donc, quelqu'un qui fait le poids en Afrique, et surtout qui se retrouve en Afrique de l'Ouest, que certains avaient qualifié de pays au pied d'argile, et qui a le fort taux de popularité en termes de population en Afrique, près de 200 millions d'habitants, vous imaginez le poids que ce pays-là a. Donc, comme certains de nos confrères de RFI le diront, au risque de payer la facture d'une certaine d'éventuel déploiement militaire dans le cadre de la CDA au Togo, parce que la crise qui secoue le Togo pouvait avoir des incidents collatéraux dans les pays voisins, y compris le Nigeria, il est évident qu'on puisse mettre la barre haut, demander aux acteurs politiques, surtout ceux qui sont au pouvoir, de pacifier une transition et de déboucher sur la vraie démocratie. Et je m'étonne que certains interprètent autrement. Ce message est français, est clair. Et vous savez, tel que mon grand frère Fiokou le disait un instant, en matière de diplomatie, on ne parle pas trop. On voit les messages et le message qui va à qui de droit, seul le détenteur du message sait ce qui lui est envoyé. Mais on n'invite pas trop les médias. Buhari n'a pas fait intentionnellement de convoquer les médias
pour envoyer ce message. Et ça a traîné plus de plusieurs mois avant que l'ambassadeur du Togo ne rejoigne le Nigeria. Donc, à ce titre, le monsieur a certainement fait sciemment de le faire et d'envoyer ce message par médias interposés aux dirigeants togolais pour qu'ils sachent que nous ne sommes pas encore prêts à gérer une crise chez nous, Togo. On a déjà passé par des périodes de récession et nous sommes en train de remonter la pente en termes de croissance. Et voilà que vous êtes là, vous ne voulez pas faire d'efforts, vous voulez encore créer des problèmes. Et vous savez, les pays anglo-saxons, leur comportement, c'est des gens qui sont concrets, réalistes et directs. Nous ne sommes pas comme les pays francophones. Oui, mais en même temps, on est en diplomatie. Et il y a des choses qui se disent à deux. On s'en fout de la diplomatie quand il s'agit de la démocratie. C'est-à-dire que, ici, ce qui se passe, Buhari était un dictateur. Buhari a vécu les pires moments de la dictature nigériane. Buhari est revenu en force en tant que démocrate. Et veut, à travers le Nigeria, passer le message démocratique dans tous les pays d'Afrique de l'Ouest et pas ricocher toute l'Afrique. Quelqu'un veut rentrer dans les rangs, soit il rentre dans les rangs et tout le monde se respecte dans la région. Il veut faire la police, c'est ça? D'ailleurs, c'est la police. Un pays qui a 9 millions de militaires. 9 millions de militaires, comparativement à 7 millions d'habitants que nous on a ici. Oui, mais 9 millions de militaires, mais beaucoup arabes, ça, c'est des raisons d'idéologie. Ça, beaucoup ne peuvent pas comprendre ça. Vous ne comprenez pas pourquoi les Américains ont souhaité envoyer des drones. Les Nigériens, ils ont refusé. Oui. Vous savez, c'est des... Vous savez ce que vit le Cameroun actuellement en termes de... par rapport au Boko Haram. Qui vous dit que le Niger ne peut pas vaincre Boko Haram? Détruire cette forêt-là avec du feu, ils peuvent le faire. Mais c'est des questions pointues, idéologiques, que nous, on ne peut pas déceler et comprendre. Vous savez, j'ai toujours dit, la colonisation est une très bonne chose. Mais ça a toujours un impact négatif sur le continent et ça continue par l'être. Depuis l'esclavage, l'Afrique ne fait que vivre sous le joug de la colonisation du néocolonialisme. Ce que nous continuons pas à vivre au jour le jour. Allez au Mali, vérifiez ce que je suis en train de dire. D'accord. Comment on peut avoir un président élu pour le Mali et qu'au même moment le pays soit divisé en deux et qu'on nous dise qu'il y a des rebelles qui sont caressés et qu'il y a d'autres sur lesquels on peut tirer? Ce n'est pas normal parce qu'il y a du sika ou de l'or. Je parle ma langue, tout le monde comprend ma langue de l'espéranto à peu près. C'est pour vous dire que en réalité c'est une question d'idéologie et du néocolonialisme qu'il faut combattre. Bon, d'accord, aujourd'hui on parle de Buhari. Ambrose, tu dis que il a parlé deux secondes. Il a, Ambrose a dit tout à l'heure que la colonisation est une bonne chose au même, et il affirme en même temps que oui, qu'elle a laissé des marques négatives. Pourquoi? Que nous avons, c'est à travers la colonisation. Le développement que nous avons, c'est à travers le même. Sauf que les gens ont amené avec la main droite. Ils sont en train de reprendre toujours, depuis 50 ans, 60 ans, par la main gauche. C'est ce que nous constatons. D'accord. Quand on disait, je vais terminer, Eric, mon frère. Non, vous avez terminé. Quand quelqu'un disait que le journal Le Monde disait que la Chine a espionné pendant 4 ans le siège de l'UE. Le siège de l'Union africaine. Ils ont le siège. Tout l'Union africaine. Bon, ils ont refusé ça. Et que le président de l'Union africaine, la commission de l'Union africaine, ça veut dire qu'il y a une guerre d'idéologie, de possession des richesses du continent entre l'Occident et la Chine. Acha, est-ce que Buhari n'est pas allé trop loin? On est quand même un pays souverain. Oui, nous sommes un pays souverain et il faudrait aussi comprendre le message de Buhari. Certains ont voulu procéder à des intoxications et à travestir même l'idée de M. Buhari. Buhari a parlé en termes de sécurité dans la région et il a dit que les transitions démocratiques, il a parlé des transitions démocratiques, ce qui voudrait dire qu'il est contre ce que peut constituer une insurrection. Il est contre ce qui peut être peut-être un coup de force. Il est contre tout ce qui peut mettre en péril la sécurité dans la sous-région ouest africaine. Étant entendu qu'au niveau même de la CEDEAO, c'est reconnu que les crises, les coups d'État, les crises politiques constituent un frein au développement. Les coups de force au niveau étatique ou bien tout ce qu'il y aura comme affrontement, tout ce qu'il y aura comme crise assez profonde peut entraîner des conséquences assez graves sur l'économie de la sous-région et même avoir des répercussions sur les pays voisins. Vous savez, au Togo, notre petite crise, je dis petite crise, excusez-moi le terme, nous avons déjà des centaines de réfugiés au Ghana. Oui, bien sûr. Et ça pose un problème pour l'État ghanéen. Il y en a aussi... Qui doit gérer ça. Il y a eu aussi des problèmes au niveau de Sokodé. Des gens ont quitté Sokodé.
il y en a qui se retrouvent au Bénin. C'est des problèmes aussi du côté du Bénin. Donc voilà des situations que la CEDEAO ne veut pas. Et étant entendu qu'ils ont des, étant donné qu'ils ont des mécanismes de gestion et de prévention des crises, en prévention de ces crises, Buhari demande à ce que les Togolais aillent dans un sens de dénouement de la crise de façon pacifique. Et quand on parle de l'alternance ne se décrète pas. L'alternance, c'est à la suite des élections. C'est à la suite des élections. Soit il y a élection, celui qui est au pouvoir, il va et il est battu à plate couture et une autre formation vient. Ou bien il arrive à la fin de son mandat réglementaire et il quitte et il y a des élections et d'autres viennent. Donc au Togo, je pense que Buhari invite les Togolais à aller dans le sens même des réformes constitutionnelles pour qu'il y ait limitation de mandat. Mais quand il attend que l'ambassadeur arrive et transmet ce message, on a aussi le sentiment que c'est un message qui est envoyé directement au gouvernement. Non, pas au gouvernement, au Togolais. C'est ce qu'il faut préciser. Parce que. Non, c'est au gouvernement. Je dis bien au Togolais. Qui envoie l'ambassadeur? Qui envoie l'ambassadeur? C'est moi? Qui envoie l'ambassadeur? L'ambassadeur agit au Nigeria au nom du Togo. Mais, en ton nom mais aussi. Au nom du gouvernement togolais. En ton nom aussi. Mais au nom de l'État togolais. Monsieur, celui qui incarne l'État togolais, qui a été dit par Buhari concernant le Togo. Si le message était adressé à M. Fornyasingbe, par exemple, Buhari l'aurait fait. Et il aurait adressé un courrier à M. Fornyasingbe. Ici, il s'agit de l'État togolais. Et vous savez qu'en matière de diplomatie, c'est d'État à État et non d'individu à individu. C'est ce que nous devons savoir. Oui, mais ce qui s'est passé, ce que Buhari a dit. Ce qui est un peu bizarre, c'est ce que le confrère l'alternative, excusez-moi, je ne vous coupe pas, hein, dit ce matin, ben, que cette sortie de Buhari, qui semble tracer une ligne rouge au président togolais, a fait paniquer à l'OME2. Là, on ne comprend plus. Si ce message est adressé véritablement au Togo. J'ai beaucoup de respect pour nos confrères de l'alternative qui font un très bon travail, un travail en tout cas d'investigation assez fouiné. Et ce qu'il dit, il peut avoir des interprétations au niveau du pouvoir togolais. Certains peuvent paniquer parce qu'ils n'ont pas compris le message. Et par rapport au tintamarre qui est fait sur les réseaux sociaux pour expliquer ce que M. Buhari a dit, il y en a qui peuvent aussi tomber sous le coup de la peur, commencer par paniquer, ça c'est sûr. Ça. Et je n'exclus pas cette éventualité. Mais nous avons eu le message de M. Buhari, nous l'avons décrypté et nous avons su que c'est par rapport au contexte d'insécurité qui sévit dans la sous-région ouest africaine que Buhari ne voudrait pas qu'il y ait encore un foyer de tension au Togo. Et quand l'ambassadeur est allé et ils étaient en discussion, Buhari sait pertinemment qu'il y a une question politique. Qui oppose les protagonistes dans le pays, et en tout cas les acteurs politiques, qui opposent les acteurs politiques dans le pays. Et donc le message qu'il peut donner en tant que président aussi, d'un État faisant partie de la CEDEAO, c'est de demander aux Togolais d'aller vers des alternances pacifiques. Et alternance pacifique signifie limiter le mandat pour qu'il y ait au moins la limitation de mandat, pour qu'il n'y ait pas des pouvoirs à vie, qu'il n'y ait pas vraiment quelqu'un qui s'accroche au pouvoir jusqu'à l'éternité. C'est aussi demander à ce qu'il y ait des élections assez crédibles, transparentes, pour que le processus de transition démocratique puisse s'effectuer dans le calme. Parce que quand les élections ne sont pas transparentes, ça crée quoi? La contestation. La contestation, le plus souvent, en matière électorale, ce sont des contestations violentes. Donc, voilà des choses que M. Buhari ne voudrait pas voir au Togo. Et en prévention, il demande aux autorités togolaises et à tous les Togolais, bien évidemment, de prendre conscience de cet état de choses et de comprendre que le monde a évolué. On ne peut plus comprendre qu'il y ait quand même des gens qui s'accrochent au pouvoir éternellement. Oui, il disait que les transitions pacifiques ne sont plus négociables. En plus, vous n'êtes pas d'accord avec Acha? Je ne suis pas totalement d'accord avec lui parce que je l'ai dit, ce message est clair. Là, en diplomatie, on se tait sur certaines questions. On envoie juste un message aux dirigeants en question. Le public n'a pas intérêt ou n'a pas besoin d'écouter. Ou bien l'opinion publique nationale ou internationale n'a pas besoin d'écouter le message qu'un dirigeant envoie à travers un ambassadeur à son collègue ou à un autre président. Ici, il me semble même que lorsque le sommet s'est tenu au Nigeria, nous avons eu certaines informations selon lesquelles des discussions ce n'est pas apparu dans le communiqué final de la CEDEAO. Mais il y a eu des discussions internes qui demandait aux dirigeants togolais de faire en sorte que la crise s'arrête. Raison même qui a poussé certains à demander à ce que le président guinéen puisse s'en charger de la question des préalables.
Et ce qui a été un peu effarant, c'est de donner le soin au président guinéen de tracer la voie d'une date indicative, le 23. Ce qui avait été fait, oui. Ce qui avait été fait, mais qui n'avait pas été respecté. Et selon nos informations, Condé n'était pas du tout content de ne pas du fait que les gens n'aient pas su lui donner un certain crédit par rapport à ce qu'il lui a proposé. Tant mieux. Son comment vous l'appelez, son mandat est fini. Ouais, d'accord, très bien. Au niveau de la partie, au niveau de, mais de... ça, son mécontentement a été exprimé parce qu'il aurait dû continuer sous la coupole de l'Union africaine en tant que co-médiateur avec le président ghanéen. Mais il a préféré laisser la main. Aujourd'hui, moi je me réjouis que ce soit le clan anglo-saxon qui s'en charge du dossier togolais. J'ai l'impression que ceux qui sont de la sphère francophone se méfient du cas togolais. Je ne sais pas pourquoi, mais il y a une certaine méfiance par rapport aux dirigeants du Togo. Vous allez voir Talon qui est venu ici une fois, peut-être deux fois, Kabore qui ne veut pas qu'on dise que il y a déjà un petit problème, il y a déjà des problèmes entre le Burkina et le Togo par le passé. Il ne faut pas qu'on dise que c'est nous qui sommes tant. Le Ouattara qui est pratiquement le mentor de Faure Gnassingbé, lui aussi peut-être s'en est fatigué parce qu'il va bientôt partir. Moi je suis là, j'ai fait 10 ans, je pars, mais je m'étonnerai que celui qui est mon petit frère puisse rester encore au pouvoir et ça me pose une gangrène, ça me pose un problème. Donc tout ça là renvoie à ce que ceux qui sont de la sphère anglophone puissent gérer cette crise-là. D'abord le Ghana, parce qu'il est en de la proximité du Togo, et que quand la crise va péter, le premier à en pâtir, c'est le Ghana. Oui. Parce que la capitale est pratiquement proche du Ghana. Donc aujourd'hui, je crois que le message là est clair. Il ne faut pas que les gens cherchent à interpréter. Il appartient aux autorités togolaises de s'en saisir. Parce qu'il semble que selon la lettre du continent, Faure Gnassingbé a piqué une colère par rapport à ce message de Boiré. Ça voudra dire que ce que nous disons, c'est la réalité. Le message leur a été adressé directement. Oui. De faire en sorte qu'il y ait une transition pacifique. Quand certains ministres ou certaines personnes disent qu'on n'a pas besoin de... Le Togo ne peut pas être gouverné pendant 50 ans et que l'on puisse vouloir aller à une alternance sans passer par une transition. C'est Dima Oré qui le criait depuis fort longtemps sur les toits. Et je peux lui donner raison. Parce que la chose est tellement clivante qu'on ne peut pas tout d'un coup quitter ce régime et aller directement dans un autre régime de transition. Il faut toujours qu'il y ait une transition. Soit on prend les deux derniers mandats, les 1 an 50 de Faure Gnassingbé pour faire une transition avec la volonté tacite de Faure Gnassingbé. On va l'applaudir pour qu'on puisse sortir le Togo de la crise et qu'eux aussi puissent avoir la paix. Et que nous aussi, autres personnes, et que ceux qui sont du peuple et de l'opposition puissent aussi avoir la paix. D'accord. Partager le pouvoir et faire une transition pour déboucher sur des élections transparentes. Parce que quand on dit transition, ça veut dire réorganiser tout le système qui coordonne les élections. Et la Cour constitutionnelle, la Hague, et la CENI, recomposer carrément la CENI, revoir le fichier électoral qui serait truffé avec plus d'un million de voix fictives, tout ça là. Il faut les gens qui sont morts, mais qui votent toujours. Il faut que tout ça soit corrigé pour qu'on puisse déboucher sur un processus électoral normal. Viable et normal. Très bien, on va l'aborder. Fioklou, votre commentaire avant la pause et puis on reviendra sur le sujet, sur la question de la transition politique maintenant. Il faut reconnaître qu'en 1990, le Togo était dans une situation très difficile. Et dès l'ouverture de la conférence nationale, le gouvernement d'alors a été déclaré gouvernement en faillite, ce qui a obligé le Faure Gnassingbé Yadema à laisser faire. Ce qui veut dire que nous avons eu cette constitution de 92 qui a été révisée en 2002. Mais aujourd'hui, à mon humble avis, la situation n'est pas celle des années 90. Il y a seulement quelques réajustements à faire. Si nous avons eu ce courage de faire l'APG, et que tout ce qui est à réviser sont actuellement d'actualité, il ne faut que ces réformes institutionnelles et constitutionnelles pour que la crise connaisse un dénouement. Bon, ce qui veut dire que les deux parties ont l'obligation d'avoir des travaux francs et sincères pour que le peuple togolais connaisse enfin. On va en parler tout à l'heure. Mais je voudrais peut-être en quelques secondes... vous savez, on était ici entre-temps et on a écouté un diplomate gambien parler. Oui. Il a fait une sortie et on a vu le recadrage très rapide, immédiat,
du ministre des Affaires étrangères, Robert Doucet. Et depuis, Bouhari, le président nigérien, a parlé. Mais on ne le voit pas. Ou bien, comme un confrère a écrit sur son compte Twitter ce matin, il y a les uns qui parlent et on réagit immédiatement. Et il y a les autres qui parlent et on fait attention de répondre. Non, mais ce qu'a dit le président Bouhari, c'est ce que je disais. Il n'y a pas à polémiquer là-dessus. Le message est très clair. Ce n'est pas un message qui demandait, comme ce fut le cas du ministre Gambier, qui disait Ford n'a qu'à quitter le pouvoir. Ce n'est pas ça. Bouhari n'a pas dit Ford n'a qu'à quitter le pouvoir. Vous comprenez que jusque-là, surtout ce que Bouhari a dit, c'est dans le souci d'amener les uns et les autres à se bien s'illustrer pour que la crise togolaise n'aille pas vers l'affrontement, n'aille pas vers des situations sécuritaires assez préoccupantes. Parfait. Et qui puissent être préjudiciables pour la CDAO. Oui, je crois que comment vous l'appelez, Acha est passé à côté de la chose. il faut dire les choses telles qu'elles sont. Je ne suis pas un examen devant toi. Je sais. On est ensemble. Et je disais que la lettre du continent, selon, je sais pas si c'est alternative ou c'est liberté. Mais si tu prends la lettre de continent comme un organe de référence où il y a la parole d'évangile, non, je ne dis pas que journaliste, tu le sais très bien. Il y a eu des informations qui ont été publiées par nos confrères de lettre de continent, mais par la suite, c'est avéré assez inexact. Si les informations sorties de la lettre, c'est la même lettre du continent que vous applaudissez ou pas le temps. Donc certains applaudissent. Parce que tu es en train de prendre ça comme si c'était une référence en matière journalistique. Rapidement. Je dis ce que la lettre du continent dit. Si c'est avéré, ça veut dire que Fonyasimbe a piqué Colette, ça veut dire que le message, il sait que le message lui a été adressé. Maintenant, on nous dit pourquoi ils se sont arrangés pour réagir vite. Parce que c'est une Gambie qui vient d'avoir notre président. Nous, on mettait la situation, on est déjà joint. Un petit état, lui vient d'où pour nous donner. Maintenant, lui, c'est un ancien. Bouhari, c'est un venu de la matière. Il est là, il était là. Bouhari ne joue pas. C'est-à-dire que d'abord, c'est un militaire. Comme les autres, il a fait la dictature, il est revenu en France. Fonyasimbe est le chef suprême des armées. Tout ça, là, c'est au Togo, ça se passe. Il peut pas aller dire ça à Bouhari. Pour paraphraser quelqu'un, le Togo n'est pas le Nigeria. Moi, je suis d'accord que le Togo est un État souverain. Quand il s'agit des intérêts de certains clans, on brandit le drapeau de la souveraineté. Mais quand il s'agit de leur demander de faire des concessions, là, la souveraineté, je vous dis. Donc, c'est pour te dire, Eric, qu'en réalité, le Togo, ce n'est pas une question de peur de Bouhari. Bouhari a envoyé un message. Et ce message est clair. À eux de respecter ce message. Un point barre. Monsieur, merci beaucoup. Nous allons marquer une pause. On se retrouve pour la seconde partie. Et nous parlerons de la transition politique et puis de l'implication ou, je vais dire, la participation ou non des forces armées togolaises aux discussions politiques qui s'ouvrent jeudi prochain. Ten, nine, eight, seven, six, five, four, three, 2-1. Vous écoutez Taxi FM, musique, sport, information. Toutes vos passions sont forcément sur Taxi FM. Deuxième partie de Taxi Press avec Fioclo Adanglenou, Acha Ibrahim et Ambroise Kondjo. Nous allons maintenant parler des discussions politiques qui s'ouvrent dans deux jours, jeudi prochain à Lomé. Les acteurs politiques sont mis d'accord pour discuter des questions liées au Togo. De quoi est-ce qu'ils parleront? On n'a pas eu une idée claire sur le sujet, mais il y a quand même deux sujets qui reviennent depuis quelques jours. Le premier, c'est par rapport à la participation ou non des forces armées togolaises au débat. Fioclo, vous pensez qu'aujourd'hui, par rapport à la situation actuelle et le rôle que l'armée togolaise a joué depuis toujours, il faille l'inviter autour de la table? Personnellement, je dis non, parce que les forces armées togolaises sont une institution de la République. Elle est entièrement sous l'autorité du gouvernement. Le chef de l'État? Sous l'autorité du gouvernement. Et le chef de l'État est le chef des armées. Ce qui veut dire qu'il y a un ministre de la Défense et un chef d'État-major général. Si le problème concerne le pouvoir en place, c'est le gouvernement qui doit déléguer des gens pour ce dialogue.
Donc, ayant un ministre au gouvernement, je dis ici et maintenant que on n'a pas besoin de leur présence à la table de négociation. C'est ce que moi je pense. Ambroise Mondio, avant Tcha Ibrahim. Oui, ça fait un mois, moi je disais dans un débat sur une radio qu'il faut inviter l'armée à la table des négociations. Parce que c'est vrai, j'ai eu à écouter M. Agbemo Kodjo et Djeri Dama de façon contradictoire sur le sujet. De la même oui, manière que Agbemo Kodjo qui veut que l'armée soit autour de la table de discussion, Djeri Dama qui dit non, laissons l'armée en dehors de nos histoires. Vous savez, la question de la républicanité de l'armée au Togo est pour moi, pour l'instant, de l'heure. C'est du leurre. L'armée n'est pas républicaine pour vous, au Togo. Voyez ce qui s'est passé à Sokodé, Mbaba Filo. Moi, je prends des exemples, je prends le concret. L'état de siège qui avait été instauré. Il y a effectivement un chef suprême des armées, que vous savez, qui a semblé, pas cautionné, mais qui a semblé avaliser ce qui s'est passé à Sokodé. La preuve, il n'y a plus de marche, il n'y a plus de manifestation dans ces trois villes. Dans quel pays sommes-nous? Ça, c'est un. De deux, ce qui s'est passé en 2005, mais c'est l'armée qui détient le pouvoir au Togo. Ce n'est pas des institutions républicaines. Fong Yassimbe, député de Blita, ou je ne sais pas si c'est la ville, qui, dans moins de deux heures, dans une nuit, est devenu président de la République. C'est pas la faute de qui? Non, après on est retourné hein, à l'ordre constitutionnel. Parce que les États-Unis ont sifflé. George Bush, fils, oui, je me rappelle. Ils ont retourné à l'Assemblée la nuit là, ils ont fait du cinéma et on a retrouvé un président. C'est l'armée qui a porté Fong Yassimbe au pouvoir. Et j'ai l'impression que Fong Yassimbe lui-même se comporte comme un militaire, étant civil. Vous savez, moi je respecte l'armée de tout pays. Parce que je me dis que c'est des corps qui protègent la nation. Chez nous au Togo, il y a un problème fondamental lié à l'armée, que les gens n'ont souvent pas le courage de dire. Si certains, comment vous le dites, certains ont le courage de dire que au sein de l'armée, il y a des intellectuels qui veulent un changement au sein même de l'armée. Il y a des gens qui veulent l'évolution de l'armée par rapport aux autres nations, aux autres pays. Je comprends Agbome qui dit qu'il faut inviter l'armée à la table. Je l'avais dit, le chef de service de renseignement, le chef d'état-major de l'armée de terre, de mer et de l'air, autour de la table, y compris le chef suprême des armées, le chef de l'État lui-même. Parce qu'il s'agit de lui. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils diront ce qui se passe et que chaque fois on les accuse. Alors que faites-vous de l'article 147 de la Constitution? Tu n'oublies pas aussi non plus l'article 150? Quand ça chauffe. Je voudrais. Pour l'instant, ça ne chauffe pas. Oui, ça a chauffé. Et ça chauffe dans les cœurs actuellement. Même si c'est latent. C'est pour vous dire quelque part que si Agbome dit qu'il faut inviter l'armée, Agbome a sa raison. Et là, Agbome rejoint moi mes positions, ça fait un mois. Je comprends aussi Djeri Dama qui dit que l'armée républicaine, nous on serait dans un état réellement démocratique, Djeri Dama aurait parfaitement raison. Parce que l'armée en réalité n'est pas une entité qui soit indépendante de toutes les institutions de la République. L'armée, dans sa républicanité, est soumise au pouvoir civil. C'est le pouvoir civil qui dit à l'armée de faire ceci et de faire cela. Sauf que, oui, je vais te donner l'exemple. C'est ce qui se passe. Les ministres qui sont sortis là. Il y a des ministres qui sont sortis. Qui a donné l'ordre à ce que ces milices sortent? Vous avez eu le commandement de l'ordre qui a fait sortir la milice? Vous vous connaissez? Vous savez pas partie de l'armée? Non, attendez. Je n'ai pas dit ça. Je suis en train de faire un rapprochement. Mais est-ce que vous savez ceux qui sont sortis, les milices là? Ce sont des militaires? Non, je n'ai pas dit ça. Je voudrais faire une certaine analyse par rapport à ça. Je voulais que ce soit clair dans les pensées. Dans un pays où il y a. On parle de caractère républicain de l'armée. Vous allez voir. Les gens allaient des bérets rouges sortir, des bérets verts sortir, des bérets noirs sortir, alors que le travail que ces gens-là sont venus faire, c'est un travail reconnu de façon régalienne aux forces de sécurité, c'est-à-dire la gendarmerie et la police. Oui. Qui a donné l'ordre à l'armée d'aller réagir à Sokodé, à Bafilo et en tétant à Mango? Les témoignages sont vivants là-bas. On parle d'ailleurs de 100 morts. Un peu plus de 100 morts, selon un rapport. Moi, j'ai toujours dit que j'ai confiance à l'armée togolaise. En dehors de certaines réticences par le passé, il y a des gens qui ont des. Il y en a qui sont guidés par l'ancien système qui veut toujours maintenir le même système et sortir de ce champ républicain dont on veut amener l'armée à se ranger. Aujourd'hui,
qu'il est opportun d'amener l'armée aux discussions? Oui, parce que quand vous lisez certains intellectuels togolais qui sont à l'extérieur, souvent vous allez voir les gens ramènent toujours cette histoire de l'armée. Si l'armée s'associe, soit on a un président civil auquel est soumis totalement l'armée, soit on a un président qui est contigu à l'armée, dont les responsabilités sont contiguës à l'armée. Je parle de Fong Yassébi. Très bien. Mais, je voudrais donner aussi la parole à Acha Ibrahim. Acha, on dit de l'armée togolaise qu'elle a un visage politique. De ce point de vue, autant discuter aussi avec lui, qu'il fait aussi partie du problème togolais. Bon, c'est vrai que dans le contexte togolais, certains, à tort ou à raison, assimilent l'armée à un groupe politique bien identifié. Et je me dis que dans ce contexte, ça peut amener certaines personnes à penser que l'armée est une institution politique et qui évolue aussi sur la scène politique. Et donc, s'il y a un dialogue politique, il faudrait que l'armée soit invitée. Mais étant donné que nous sommes dans un contexte démocratique et que tout ce que nous faisons dans le pays, nous devons nous référer à notre loi fondamentale. Qui est toujours et constamment violée aussi. Bon, violée, et ce n'est pas une très bonne chose pour nous que bien notre sûr. Constitution soit violée. Mais il faut et le donc, dire. Mais oui, il faut le dire. Il faut le dire. Et donc, et si nous, en tant que leaders d'opinion, en tant que journalistes, nous devons parler, nous devons aller dans le sens de la normalité, c'est-à-dire inviter les gens à aller dans le sens de la normalité. Mais si je me place dans ce schéma de normalité, je dirais que l'armée n'a pas sa place autour de la table de négociation, dans le cadre de ce dialogue, parce que l'armée, selon notre constitution, est apolitique. L'armée n'a rien à voir sur la sphère politique. L'armée reçoit les ordres de l'autorité politique constitutionnellement établie. Ça voudrait dire que tout ce qu'il y aura comme dialogue par rapport à la situation togolaise, il y aura le gouvernement qui va participer forcément. C'est l'autorité constitutionnellement établie. Donc, le gouvernement va participer et c'est vraiment, je suis dans le regret quand même de constater que le Togo n'a pas encore un ministre de la défense civile. Puisque dans certains pays, on nomme les civils pour être au ministère de la défense pour montrer aux militaires que malgré leur puissance de feu, malgré leur char, leur kalach, tout ce qu'ils ont comme arsenal militaire pour effrayer les gens, ils sont sous l'autorité des civils. Et cela amène le plus souvent les soldats à être beaucoup plus disciplinés et à ne pas se croire vraiment. En même temps, il y a de ces images que le gouvernement renvoie tout le temps. Et tous les gouvernements, il y a toujours des forces armées au sein du gouvernement. Oui, là, quand ils viennent... Ils sentent que ça pose aussi un problème. Non, c'est des citoyens. Ils ont des expertises, ils ont des compétences. Ils sont allés aussi à l'école pour apprendre beaucoup de choses. Oui. Et quand ils viennent dans le gouvernement, c'est pour apporter ce qu'ils ont de plus. Donc, quand vous voyez des colonels, des généraux ou bien des commandants au niveau du gouvernement, en principe, on les considère dès lors dans l'exercice de ces fonctions politiques-là comme des civils. Ce sont des politiques. En ce moment, ils doivent démissionner d'abord. Bon, non. Selon certains tests, ils sont détachés. On dit dans ce sens qu'ils sont détachés. L'armée les détache pour aller occuper des fonctions. Donc, ils n'ont pas des passerelles de commandement direct. C'est-à-dire, ils ne peuvent pas être au ministère et appeler en même temps sa troupe ou bien appeler un bataillon à venir agir. De l'influence, donc, voilà. Donc, il va avoir de l'influence, Acha. Ce sont les individus. Nous ne refusons pas. Vous savez qu'il y en a qui confondent tout. Il y en a aussi qui peuvent aussi se permettre certaines choses parce que par rapport à leur notoriété dans le pays, mais ça relève de l'ordre anormal des choses. Quand nous allons dans la normalité, nous disons que l'armée est apolitique, ça il faut le reconnaître, et l'armée est sous l'autorité des autorités togolaises, en tout cas constitutionnellement établies. Donc l'armée le soit des ordres. Donc si on va à ces discussions, au dialogue, l'autorité politique sera là-bas. Et donc, il revient à l'autorité politique de prendre en compte les accords ou bien les conclusions de ce dialogue et venir l'appliquer et en donnant des instructions conformes à ces accords signés au niveau, à la suite de ce dialogue. Ils doivent donner des accords et des commandements conformes à cela à l'armée. Et l'armée va agir dans le sens républicain du terme. Ce n'est pas une question de dire que non, quand ils vont
prendre des accords là-bas. Quand ils vont venir, l'armée va dire non, on refuse, non, on ne fait pas chose. Non, je pense que ça ne va pas se passer. Il faudrait qu'on commence par dire aux gens que chacun a son rôle à jouer et c'est l'armée, vous. Sa place, c'est de défendre l'intégrité du territoire, c'est de protéger le pays, c'est de protéger aussi les citoyens, mais tout en recevant l'ordre d'abord avant d'agir. Il n'y a pas d'élément incontrôlé, ça, c'est pas normal. D'accord, très bien. Oui, Fioclou maintenant. Il a bien dit dans notre constitution, en son article 147, que les forces armées togolaises sont une armée nationale, républicaine et apolitique. Elles sont entièrement soumises à l'autorité politique constitutionnelle régulièrement établie. Tel est le cas. Le président de la République est le chef des armées. Il peut nommer, c'est-à-dire détacher des officiers pour des postes civils. Et pour faire recours aux années 67, où le président de la République, Feni Asimbe Yadema, avait pris le pouvoir, et c'était une jointe qui avait dirigé, et il avait dirigé exceptionnellement jusqu'à 79, où nous avons eu le référendum qui a mené la Troisième République. Nous devons avoir à l'esprit que, étant militaire, il a construit l'armée togolaise à partir de 1974. Et nous avons connu dernièrement la refondation à partir de 1994 et la très bonne refondation en 2014, après le discours du président de la République actuel. Oui. Ce qui veut dire que l'armée togolaise est sous l'autorité civile. Et elle fait ce qu'on lui dit de faire. Et en faisant la comparaison de 67 à toujours, on peut dire que le fait que le premier chef de l'État, après Gorinsky, soit militaire, et que c'est à partir de la tenue militaire qu'il a fondé le parti Rassemblement du peuple togolais après l'appel historique de 69 à Palimé, oui. Ça a fait que l'armée et le parti avaient constitué un parti État. Et c'est après 90, au niveau de la conférence nationale de 91 et que la constitution de 92 est arrivée avec la Troisième République, que les pouvoirs sont bien séparés entre l'armée et le parti au pouvoir. Ce qui veut dire que ceux-là qui disent que l'armée a joué un rôle politique, c'était à l'époque. Mais aujourd'hui, je peux dire que... Vous ne pensez pas qu'aujourd'hui l'armée a un visage politique? Ce que moi je dis, c'est que je confirme que l'armée joue le rôle qu'on lui dit de jouer. Un point barre. Et ça s'est fait, Elle n'a pas sa place. Mais on peut au moins la consulter, je pose la question souvent directement, est-ce qu'on peut au moins consulter l'armée dans tout ce qui se passe? Et est-ce qu'elle pense, elle, de la situation, sans l'inviter forcément autour de la table de discussion? Est-ce qu'on a eu à dire? Par exemple, Jacques vient de donner une dernière phrase là. Cette phrase là est intéressante dans la mesure où l'armée fait ce qu'on lui dit de faire. C'est ça. Les textes sont clairs. Mais sauf que les gens peuvent biaiser les textes et faire autre chose aussi. C'est sûr. Donc l'armée fait ce qu'on lui dit de faire. L'armée est un corps discipliné qui exécute même avant de réclamer. Mais si l'armée est sous la direction d'un pouvoir civil et que le pouvoir civil, n'étant pas démocratique, lui dit de faire quelque chose, elle le fera. Voilà là où se pose le problème. Autour de ce dialogue, il va falloir que les acteurs politiques prennent en tout cas l'accord d'œuvrer dans le sens de l'intérêt général, oui. Ne pas se cramponner sur des intérêts particuliers ou bien défendre des intérêts de leur chapelle, de leur camp. Et c'est pour ça que hier vous demandez ordres. Qu'on évite les surenchères. Tout à fait. Et il ne faut pas éviter. On finisse aller donner des ordres qui, à mon avis, c'est-à-dire donner des ordres à l'armée à leur profit. Voilà, il faut donner des ordres à l'armée dans le sens républicain, dans l'intérêt supérieur de la nation. Donc c'est pourquoi l'armée doit rester dans son cas. Et nous nous réjouissons parce que l'armée togolaise est une armée républicaine, une armée disciplinée et qui fait ce qu'on lui demande de faire. Donc il faut qu'on lui donne les ordres qu'il faut dans le sens même. Eric, il faut ajouter aussi que l'armée est disciplinée. Oui. Dans la sous-région, je le connais, que cette armée. Et c'est là où je voulais en venir, oui. Il peut y avoir des brebis galeuses. Ouais, c'est pourquoi j'ai essayé de faire le parallélisme entre ceux-là qui, les jeunes qui étaient sortis, que certains ont justifié, hein, qui sont des leaders de UNI qui ont justifié. Mais cette armée-là,
J'ai dit, les jeunes qui viennent maintenant, il y a des gens qui sont les commandants, qui sont les individuels, les gens qui leur licence, leur maîtrise. Donc ces gens-là, vous ne pouvez pas jouer avec eux en matière de droit. Ils maîtrisent ce qu'on sait que le droit. Je voudrais ajouter que dans la sous-région, depuis le coup d'État de 1963 à nos jours, c'est le Togo seul où il n'y a plus de coup d'État jusqu'à nos jours. D'où la discipline, la valeur de notre armée sont à démontrer. Il y a l'autre aspect aussi, c'est le cas de Sokodé et de Bafilo. On a dit qu'il y a une situation anormale. Le chef de l'État, lorsqu'il est allé là-bas, il a constaté et il a dit que non, il faudrait que Sokodé retrouve la normalité. Et donc le lendemain, nous avons vu comment le gouvernement a dit on lève l'état de siège et les soldats ont replié. Donc ça voudrait dire qu'il faudrait. En même temps, depuis quelques jours, on a des informations qui nous parviennent, hein, que Sokodé y a encore la présence. Mais on nous a dit. Mais, encore non, une présence. Non, c'était dit, les militaires allaient se retirer, c'est-à-dire l'état de siège est en tout cas est levé, mais Sokodé est sous surveillance. C'est pourquoi on nous avait dit que les militaires qui sont là-bas sont là seulement pour la surveillance, pas pour terroriser la population. Pas pour faire ce qui a été fait. Donc c'est d'où c'est pourquoi nous appelons les acteurs politiques à œuvrer dans le sens de l'intérêt général. Quand on œuvre dans le sens de l'intérêt général, tout ce qu'on prendra comme décision à l'endroit de l'armée, ça serait dans l'intérêt des populations. Monsieur, puisqu'il n'y aura pas de sujet tabou, la question. Pour protéger des intérêts, il va de sorte qu'une catégorie aussi de la population ne soit pas d'accord avec ce que l'ordre qu'on a donné à l'armée. Et ça va du tout. Je voulais qu'on aborde une question très rapidement parce que dans 6 minutes environ, on doit rendre l'antenne. La question de la transition politique, ce débat aussi revient depuis quelques jours, qu'il faut aux discussions discuter de la transition politique. En d'autres termes, mettre entre parenthèses le mandat de Faure Gnassingbé et faire un gouvernement de transition en vue des élections en 2020. Ambroise Pondio, est-ce que ce débat doit être d'actualité, ce sujet? Si tu permets, avant de revenir à ton... Moi, je voulais juste dire ce qui se passe à Sokodé, c'est pour faire croire à l'opinion publique nationale et internationale qu'on croit l'opposition, Sokodé et autres ne sont pas des fiefs de l'opposition. On veut tout faire pour mettre un terme à ça. Bon, maintenant, pour ta question... La transition politique. La transition politique est une évidence et est une obligation dans un pays où il y a une crise profonde. Parce que si vous ne voulez pas passer par la transition, vous risquez... De vous fouler vous-même. Mais en même temps, excusez-moi, je ne vous regarde pas, mais en même temps, nous n'avons pas d'institutions qui sont en crise aujourd'hui. On n'a pas quoi ? D'institutions qui sont en crise. D'institutions qui sont en crise. Mm-hmm. C'est une question de coordination des institutions vis-à-vis des problèmes qu'on a et qui n'arrivent pas à être réglés. C'est ce qui amène la crise. La CENI qui ne fonctionne pas, la Cour constitutionnelle qui joue à son jeu à chaque élection, la HAC qui est aussi dans un jeu bizarre de gendarmes contre la presse. Et, sauf que ces derniers temps, s'il y a eu certaines. Avec Pitang a essayé d'améliorer certaines choses. Personne. Au même moment, il y a le coupé-lé toujours, qui est là, en suspendu en haut. Je ne sais pas ce que Willy Blanc-Tenot viendra faire encore. Donc, c'est pour vous dire, quelque part, que la réalité des faits, ici, est que nous avons besoin d'une transition. Pas ces gouvernements d'union nationale. Où on emmène des gens pour aller à la mangeoire, ils mangent, ils se rassasient, finalement ils ont le gain et le camp, où on leur a trouvé de la viande et du lait. Ici, nous voulons une transition. On garde Faure Gnassingbé à la tête de l'État en tant que président, mais sauf que la différence, la nuance, c'est qu'il y aura des postes de souveraineté ministérielle affectés à l'opposition pour pouvoir réorganiser. Ah, gouvernement de transition. Oui, c'est ça la différence entre. La différence ou entre gouvernement d'union. Non, je ne parle pas du gouvernement d'union. Un gouvernement d'union est différent d'un gouvernement de transition. Le gouvernement d'union, selon mon entendement, c'est quoi? C'est un gouvernement où on amène des gens de l'opposition, on leur donne des postes de dernière zone, et eux aussi sont dedans, juste pour faire la figuration, et on les accompagne jusqu'à ce qu'on organise des élections frauduleuses, c'est bon. Ça s'est passé ici avec l'UFC, on a vu ça. Et aujourd'hui, l'UFC est remis en minorité. Un gouvernement de transition, c'est un gouvernement dont on amène des opposants au sein de ce gouvernement. Le Premier ministre vient de l'opposition. Au moins, on le fait à moitié. C'est-à-dire que 4, comment vous l'appelez? Et là, on met la parole en deux. Si c'est 20 personnes, ça fait 10-10. Le chef de l'État est là. Un Premier ministre vient de l'opposition. Et on partage les postes
de responsabilité, les postes sensibles. Est-ce que vous savez qu'en ce moment, ce n'est plus le président qui dirige véritablement, c'est le Premier ministre? Un petit peu comme ça s'est passé au Togo, dans le temps. Oui, je suis désolé, on peut même tomber dans un régime semi-présidentiel où on donne un peu de pouvoir aussi au Premier ministre. Ça existait dans la Constitution 92. Alors que, sauf qu'il n'y a pas eu de loi organique qui puisse conférer ce pouvoir au Premier ministre en ce temps-là. Ce qui veut dire qu'on a dénudé le pouvoir du Premier ministre. Aujourd'hui, la Constitution a été totalement baisée. On n'a plus cette prérogative-là. Aucune loi organique n'a été prise pour renforcer le pouvoir du chef du gouvernement qui devait aussi avoir un cabinet militaire. Et parce que le Parlement étant acquis à lui dans un régime présidentiel, le Premier ministre a un pouvoir de nomination aussi, comme au même titre que le chef de l'État. Et le Premier ministre aussi a un regard sur le fonctionnement de l'armée, même le président étant le chef suprême des armées. Donc, si on revient dans un gouvernement de transition, ça veut dire que les institutions qui coordonnent le système électoral doivent être recaporalisées, c'est-à-dire que, comment vous l'appelez, recomposées. La Cour constitutionnelle, la HAC, la CENI, le cadre électoral doit être revu, le fichier électoral, tout ça là. Donc, c'est un gouvernement qui doit le voir de façon transparente. Bien. Contrairement à un gouvernement d'union où je l'avais déjà expliqué, oui, bien sûr, ils sont allés à la figuration pour aller manger et revenir dormir. Dormir, vous avez dit ? Dormir, parce que finalement, d'accord, quand vous prenez, je ne veux pas citer bon, les ministres des Jésus qui sont libres, tout ça là. Aujourd'hui, c'est des gens qui sont laissés au carreau, alors qu'ils n'avaient pas pensé à ça avant d'y arriver, avant d'y aller. Fioclou, oui, tu sais, la transition politique. Oui, je vais dire que la transition a été une fois mise en jeu dans les années 91, aussitôt après la constitution de 92, et il y avait des problèmes entre les prérogatives du président de la République et celles du Premier ministre. Le Premier ministre d'alors, M. Joseph Kofi Koffi avait tous les pouvoirs. Et le chef de l'État n'avait qu'un titre honorifique, ce qui a poussé les forces armées togolaises à prendre le pouvoir enfin. D'une certaine manière avec le coup de force du 3 décembre. Bon, 93. Aujourd'hui, nous pouvons dire que parler de transition, à mon avis, n'est pas tout à fait ça, parce que la discussion qu'on devait avoir au niveau du dialogue serait la relecture des accords politiques, de l'accord politique global. Et tu dois partir de là, à partir des réformes constitutionnelles et institutionnelles, et voir comment l'adapter à la situation actuelle. Parce que nous avons une élection qui est en cours, le chef de l'État est là, l'Assemblée aussi est là. Si on veut parler de transition, donc on est obligé de remettre en cause l'Assemblée existante. Non, beaucoup plus l'élection de Fognia Singbé, oui, de 2015. De 2015, ce qui veut dire, et c'est ça, si on le fait, donc le C92 prend le pas sur ce qui est fait. Et c'est ça qui est le problème, à mon point de vue. Acha Ibrahim. Nous avons un problème de réforme constitutionnelle, et actuellement, la crise au Togo est née de mécontentement par rapport à la lenteur observée dans les réformes, quoi, dans la concrétisation des réformes constitutionnelles et institutionnelles. Et donc, le dialogue qui se profile à l'horizon est un dialogue qui va se pencher véritablement sur la question des réformes et voir éventuellement comment amener le Togo à opérer ces réformes de manière à ce que la constitution togolaise puisse être d'une manière ou d'une autre en adéquation avec ce qui a été fait en 92, puisque on sous-entend que celle de 92 est issue de la volonté populaire. Mmh. Et donc c'est le débat qui se pose actuellement, et au dialogue, je pense que c'est de ça qu'il sera question. Mais pour le cas des transitions politiques et autres, là, moi je pense que nous avons déjà actuellement un président qui a un mandat, et c'est à la suite d'une élection. Et celui qui a été à ces élections avec lui comme étant son challenger n'a pas eu à contester quoi que ce soit lors de ces élections. Il n'y a pas eu de recours au niveau de la Cour constitutionnelle pour montrer qu'on n'était pas d'accord avec les résultats qui ont été proclamés, ou bien on remet en cause cette élection. Et donc, je pense que cette parenthèse est déjà fermée. Aujourd'hui, nous sommes en face d'un président qui a un mandat et qui a cours jusqu'à 2020. Et si, entre-temps, il y a eu un problème par rapport à notre constitution, le retour à la constitution de 92 et tout ce que nous avons comme
problèmes liés au fonctionnement des institutions. Je pense qu'au cours de ce dialogue, les uns et les autres vont discuter, voir ce qu'il y a lieu de faire et arrêter, en tout cas, un accord assez concret et pragmatique et facile à mettre en application. Monsieur, merci beaucoup. On va devoir s'arrêter ici pour aujourd'hui. Merci beaucoup, Ambroise Bonjo. Je rappelle que vous êtes le patron du journal des Guardians, Fiokoulou Adanglenou, le patron du journal L'Enquêteur, et Acha Ibrahim, le patron du journal Temps Nouveau. Merci à Francis Daye qui a assuré la coordination technique de Taxi Près de ce jour. Appelez-moi Saint-Irrigator. On se retrouve demain pour une nouvelle aventure sur la radio. D'ici là, portez-vous bien. Juste après, nous vous retrouverez à Amen à Signon pour le journal. C'est dans une dizaine de minutes maintenant. Au revoir. Taxi FM. Le monde en une radio.